Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les crozons arrivent.
Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce que le bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Cette radio à Hongkong, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Je vais te faire souffrir longtemps. Celui-là à son compte. Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette! T'as qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche!
T'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Vous allez appeler la police. Dites à Ryan que je suis désolé. Je ne vous permets pas de me juger. Le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour,
Votre voisin se transforme en monstre terrifiant. Dites, Brenda, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de Bowater depuis bientôt 3 semaines? Bon, j'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Oh là, doucement. Laissez votre arme, je vous prie. Ces petites sœurs transportent la dent, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens.